Depuis 1941, la communauté Mveng, autochtone de Yaoundé au Lézois, a vu ses terres retirées au profit de l'autorité militaire. Plus de 80 ans après, 18 hectares sur les 112 ont été retrocédés à cette communauté qui, malgré 9 titres fonciers délivrés, ne parvient pas à regagner ses parcelles. Quand nous venons donc pour nous y installer, nous sommes assaillis par des centaines de militaires en armes pour nous chasser du lieu et pour en interdire l'accès. Le prétexte, ils disent que c'est la zone militaire. Le prétexte ne tient pas la route. Dans le communiqué du 20 avril 2023, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense évoque l'ultra-sensibilité de la zone hautement protégée, une diversion selon le chef de la communauté Mveng. Non seulement il n'y a pas de danger là, il n'y a plus aucune poudrière, elle a été déplacée depuis très longtemps. Ceux qui font ça oublient que, d'ailleurs vous voyez ça derrière moi, le tribunal militaire qui a été construit à l'intérieur d'un de nos titres fonciers, à proximité des baraquements qu'ils appellent la poudrière, ou alors l'ambassade d'un pays ami étranger qui est juste à côté, ou alors d'autres bâtiments que vous voyez. Pourquoi est-ce que quand on venait installer tous ces autres bâtiments, personne n'a parlé de sécurité? C'est parce que, à dessein, des gens veulent faire main basse sur ce terrain. Cette communauté sera bientôt expropriée à cause des travaux de construction de la partie urbaine de l'autoroute Yaoundé-Nsimalène. Elle n'aura donc plus de lieu d'habitation. Je pense qu'il est de bon ton que le chef de l'État frappe du poing sur la table, qu'il demande au ministre de la Défense de nous libérer nos espaces qui nous ont été attribués légalement par le chef de l'État. Nous ne pouvons pas accepter. Et c'est comme s'il y avait deux Cameroun. Il y a un chef de l'État, président de la République, qui décide de prendre une décision et le ministre qui est sous la tutelle du chef de l'État, lui, il ne veut pas obtempérer. On ne sait pas pourquoi. Au ministère de la Défense que nous avons contacté, l'on dit s'en tenir au communiqué, les frères Mveng, eux, ne veulent pas lâcher prise. Nous sommes déterminés et nous n'allons pas lâcher parce que c'est un peu de trop. Les Mveng ont déjà assez supporté. Il y a l'Assemblée nationale qui a été récupérée, il y a le lycée Leclerc, même l'ambassade de France. Hein? Mais le peu de bout de terrain qu'on nous a restitué, l'armée vient faire de n'importe quoi là-bas alors que nous avons des titres. Mes frères ont déjà tout préparé pour faire une marche, même si on va nous tuer. Parce que c'est trop. Sur les 18 hectares régulièrement retrocédés à la communauté par le ministère des Domaines, du cadastre et des affaires foncières et dont elle ne parvient pas à exploiter, force est de constater que des installations à titre privé ont été faites, une sorte de main basse. Les gars s'étaient déjà partagé le terrain depuis longtemps. Et donc, dans leur tête, ça ne passe pas. Ça ne passe pas que quelqu'un vienne enfin revendiquer un endroit dans lequel eux, ils se sucrent depuis des décennies. Il y a là derrière moi un gars qui tient un garage. Il va vous dire à qui il paye le loyer, parce qu'il paye un loyer. En face de lui, il y a des jeunes gens qui lavent les voitures. Eux aussi vont vous dire à qui il paye le loyer. Un peu plus haut, il y a des dames qui vendent des fruits et légumes. Elles payent aussi un loyer. Derrière ces dames, vous allez voir des baraquements en bois, mais ne vous y trompez pas. Entrez, vous allez voir des murs en béton qui sont en train de monter en ce moment-ci. Mais les problèmes de sécurité ne se posent que quand il s'agit de nous. Après rectification du titre foncier numéro 3649 de 112 hectares au lieu de 77, 18 hectares ont été retrocédés à la communauté qui ne parvient pas à exploiter, 17 hectares déjà occupés au ministère de la Défense et là encore, les Mveng n'ont pas toujours été indemnisés puisqu'ils revendiquaient au total 35 hectares. Une affaire à suivre. Puisque nous devons payer ça 7 années chaque jour. Chaque jour.